Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir un texte comme exemple d'évaluation numéro 2, semestre numéro 1, plus les questions de compréhension. D'accord? Alors suivez avec moi. D'abord, je vais vous lire le texte. Le rôle de l'enseignante. J'ai toujours désiré devenir enseignante depuis mon enfance. À mes yeux, les enseignantes sont responsables de l'éducation des jeunes. Ce sont elles qui aident ces jeunes à apprendre à lire, à écrire et à calculer. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve et je suis heureuse de jouer ce rôle. D'accord? Alors, on passe aux questions de compréhension. Question numéro 1. Quel est le titre de ce texte? Alors, le nouen djelmas. Le nouen, le titre ou le nouen djelmas. C'est le rôle de l'enseignante. Question numéro 2 entoure la bonne réponse. L'auteur du texte a toujours rêvé de devenir quoi? Médecin? Enseignante d'école? Ou bien actrice? Voilà. Mais le nom est bien. Enseignante. Ouf, la première phrase, Katina, j'ai toujours désiré de devenir enseignante. D'accord? On passe. Question numéro 3. Écris vrai ou faux devant chaque phrase. Alors, dit la première phrase, l'auteur est devenu enseignante. Wesh, l'auteur ou l'être enseignante? Bien sûr. Arrache la dernière phrase, Kathleen. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve et je suis heureuse de jouer ce rôle. Alors, donc c'est vrai. Elle n'aime pas son métier. Bien sûr que non, c'est faux. Elle aime son métier. Rémulrie la dernière phrase, Ligatina, je suis heureuse de jouer ce rôle. D'accord? La dernière phrase, elle est contente de jouer le rôle d'éducatrice, bien sûr. Donc c'est vrai. Ou hakan, kounouselina, l'exemple d'yena. N'tlaqaou fil vidéo jay, inch'Allah, ma grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. Plus production écrite. Bonne journée, au revoir.